Alors Julien, je pense qu'en jugeant de cette vitrine, nous sommes arrivés à destination. Cette boutique s'appelle comment? Elle s'appelle Sado Ankulu. Oh là, tu dis des gros mots à l'antenne, voilà. Attention. Sœur d'Uncle en fait, et c'est un magasin 100% vintage, Omocha, les jouets, tout ce que j'aime. La petite côte flottante. Ça respire l'amour, l'amour et les cigales. Les cigales. Oh là là là. Et c'est à peu près 500 mètres de la station Koiwa. En fait. C'est, voilà. Tout est vintage là, genre même là, les présentoirs. Il y a même des canettes derrière toi, Coca-Cola. Ah ouais, regarde, le Cherry Coke vintage, ça, ouais. Même les canettes sont vintage. Il y a 50 balais. Bon, moi j'ai vu des tas de monstres façon morve de Ultraman, voilà, et Godzilla. Et de Godzilla, ouais. Il va falloir qu'on et aille. Dola, et Dola, ouais. Il va falloir qu'on aille. On va aller noter là-dedans. On va aller regarder ça tout de suite. Tout de suite. Immédiatement. Ça s'appelle Sœur d'Enculu. Voilà. Ça donc. Un jouet Dragon Ball. Dragon Ball, c'est une série populaire dans les années 90. Le mec, il explique c'est quoi Dragon Ball. C'est une sorte de parcours du combattant de la petite bille et tu dois la faire arriver jusqu'à l'arrivée. Le speedrun de l'époque. Alors, ça, c'est un jouet très cool. 18 000 balles. Je vais en prendre 4. Alors là, je vais vous présenter une pièce maîtresse de Clover. C'est le Gundam DX Gatai Seto. C'est le Deluxe Set du Gundam Vintage. Ouais. Ça, c'est une pièce très très recherchée. Il est dead stock, c'est-à-dire il a jamais été joué. Ah oui, d'accord, là, c'est même pas l'occasion ou quoi que ce soit. Non, les missiles sont grappés. Ah, ils ont même pas détaché, du plastoc. C'est du neuf de l'époque. Il vaut 198 000. Ouais. Tu sais que c'est pas cher pour l'État. Ah ouais, donc pourtant on est sur du plus de 1700 euros. C'est ça, mais ça vaut à peu près 3000 euros, 3500 euros quand tu le trouves à l'étranger. Ouais. Moi j'ai trouvé un Spilivan. Spilivan, qu'est-ce que c'est? Mais c'est, voilà, c'est avant tout un générique fantastique chanté par Patrick Simpson-Jones, des trois héros du Club Dorothée. Wow, la taille du... Le God Sigma, voilà, un combineur. God Sigma. Voilà, c'était la grande mode des années 80. Trois robots combineurs, trois robots qui forment un grand robot comme ça. Mais c'est pas un peu la honte pour ceux dans l'équipe qui sont les pieds? Si. C'est, quand même, c'est ouais. Ça, genre, ça, tout le monde veut le main, veut lui, le noir. Par exemple, si sur cette émission, lui. On devait faire un robot géant, c'est, ce voilà. Serait qui les pieds? Ouais, ce ça, serait moi et Karaté, tu crois? Quoi, j'entends, toi, on me dit dans l'oreille que Karaté serait la bedaine du robot. D'accord, donc juste là, quoi, la ceinture. Bon, alors là, on a la boîte de Morox. Morox, hein, oui. Julien, c'est avant tout la meilleure musique. C'est le meilleur truc du monde. C'est le robot le plus puissant. Il est neuf. Petit. En fait, c'est la verse. Il est neuf. Il est neuf. Ouais. Il n'a jamais été joué, les missiles. Sans scellé. En plus, le plastique est en excellent état. Ouais. Oh, les parce couleurs souvent, sont encore superbes. C'est ça. Le plastique poppy, il a tendance, le plastique bleu, avec les années, s'il est mal conservé, à devenir verdâtre et à être cassable. Et celui-là, il est impeccable. On part sur quelque chose qui a quel âge? 35, plus de 35 ans. 35 ans, voilà. Presque 40. Enfin. Oh. Alors, il a 18 000 yens. Est-ce qu'on peut le négocier? Non. Regarde, moi j'ai 15 000 en cash. D'accord, est-ce qu'il les prend? Demander. Cash.
Ah, c'est bon. Oh, le ultime, négocie 3 milliards de voix, j'en veux plus, putain. Et les autocollants pour que le truc soit vraiment rouge et pixel perfect. Oh là là. J'ai gagné la vie. C'est clair. Voilà, tu m'as trouvé Morox, mec. Mais ouais, voilà. Merci, Julien. Avec plaisir. Ça valait le coup de faire 10 heures de train. Eh oui. Mais ouais. On a trouvé en fait les loot relativement moins chers dans cette boutique parce qu'il y a aussi des trucs plutôt rares, enfin moins chers en tout cas. Moins cher et rare. Et aussi, qualité, et de qualité. Tu as du Dragon Ball avec 300 yens, hein, les petites figurines, notamment le meilleur, hein, le commentateur bien sûr. Faut que tu prennes celui-là, t'as fait le cosplay. Hein. 16 joueurs venus du monde entier. Ces petites versions là. Ouais. Celui-là est un peu plus cher, regarde, il est peint. Il est à 3-4 euros. Est-ce que ça, c'est pas mieux qu'une figurine à 700 000 yens? Bah si, évidemment. C'est plus facilement transportable. Tu as moins de stress avec l'assurance et tout. D'ailleurs, de moi, ce Goku. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça dans le monde? Il est tellement schnapps. Et il est en dur, hein. C'est de la Mais c'est une porcelaine. Tirelire, regarde. Ouais, c'est une tirelire porcelaine dure. Là. Une tirelire porcelaine dure Goku. Combien? Bah, je sais pas, il n'y a pas de prix. Et ben voilà. Voilà, ça se trouve il est à 15 000 yens, petite Sailor Moon. Ouais, mais elle est indé, hein, ta Sailor Moon. Ah bah oui, bah elle a vécu aussi. Hein. Regarde ce Goku. Ouais, il est indestructible celui-là. Celui-là, c'est le jouet. Je crois que c'était souvent des versions. Peut-être une version française à la base d'ailleurs. Hein. Ouais, tu peux planter les yeux de ton petit frère avec. Tu vois la taille, tu dis combien? Je sais pas, 300, 400. 10 euros le Goku qui fait ta taille, ça va. Hein. Ouais, mais il est indestructible aussi. Là, t'as des 100 tailles encore. Regarde, ça c'est. Je crois que c'est pas les trucs là des pirates là, j'en sais rien, moi je connais pas ces trucs. Voilà, il y a du Kamen Rider. Du coup, ils sont pas très chers. Et il faut fouiller, t'as 20 000 trucs. Et là, tout en bas, je me suis battu avec des araignées tout à l'heure. Ouais. Regarde, t'as les Kinder Surprise taille vintage. Ah ouais, il y a quoi dedans? Je sais pas. Tu as ouvert le truc et l'araignée elle va te sauter à la gorge. C'est un crotal recroquevillé sur lui-même. Ah putain, on dirait une chianture. Mais ça, c'est 100 yens. Voilà. Ah, il y a un cheveu avec dedans. Mais de qui? Il faut faire une analyse ADN là. Ah ouais, ça a l'air maléfique. Il y en a pour tous les prix, et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Chez Sordankle, on peut aussi faire des vrais loot pas chers, rentables, que ce soit pour du robot à 1 million de yens ou de la figurine tête d'araignée à 100 yens. Il y en a pour tous les goûts. Shogokin de Five Man. Et du coup là on est à 28 000 yens pour un robot. Oh là là, par contre il est quasi neuf quoi. Oui, ben il est dead stock. Ouais. Ah, il est vraiment neuf. Oui, ok. Donc c'est vraiment voilà jamais c'est ouvert. Du dead stock, jamais ouvert, jamais joué. J'ai le Graal de chez Poppy pour tous les collectionneurs parce que c'est le robot le plus cher qui existe chez Poppy. C'est le Tetsujin 28. Niju Atsugo. Alors ça, c'est la pièce maîtresse de Poppy. Poppy avait décidé de faire une gamme au-dessus des Deluxe Shogokin. Et c'est une pièce qui coûte ici 650 000 yens. Mais ça peut aller jusqu'à 1 million suivant l'état. On est sur du 5000 euros. Hein. C'est ça. Et apparemment, donc, le vendeur gagner... c'était du dead stock. C'est-à-dire ah oui, donc il est neuf là. Ouais, ouais. Oh, mais vraiment... Je pense que t'as ça, tout le monde te respecte quoi. Ah bah oui. T'as quoi comme collection? Tu postes une photo, les gens s'en vont. Le mec il meurt. C'est sûr, il meurt. Crise cardiaque. Parce que là, c'est vraiment, t'es sérieux là. Donc on est d'accord que là... tu lui montres ça en premier, c'est fini. Si tu l'achètes à 5000 euros, t'as gagné de l'argent finalement. Là oui. Bon Julien, moi dans cette boutique, je cherche du Robotech, entre guillemets du Macross, puisqu'en fait Robotech c'est quoi? C'est pas vraiment Macross. Oui. Ce qu'on a eu en France sur la 5, en fait, c'est une compilation de plusieurs d'Harmony séries. Gold, oui. Mais par contre, les premiers jeux Macross. Les Densetsu, c'est des jouets magnifiques. Regarde ça, comment c'est trop beau. Ouais. Regarde-moi ce visuel. Packaging. C'était dessiné, c'était magnifique. On n'en fait plus des packaging comme ça, malheureusement. Il est trop beau. Et même le carton d'époque, c'était du carton assez épais. C'est pour ça qu'il résiste avec les années. Bon, par contre, c'est quoi? C'est 320 euros, quoi. C'est 38 000 yens. Bah, c'est le prix. Hein. Oui, mais moi, je cherche la version
D'avant, oui. C'est le même jouet. Ouais. C'est par Takatoku. Ben oui, il y a marqué Bandai. Voilà. Quand Takatoku a fermé, Bandai a racheté le mold et ils l'ont commercialisé. Ils ont pris le même jouet de Takatoku, mais ils ont mis un emballage Bandai. Et... Ah, il est là, voilà, mignon. Il est là. Ça, c'est le Roy Fokker. Je suis trop petit, le Roy Fokker. Et ça, c'est donc Takatoku Toys de la première. Bah oui, c'est la vraie version avec le jaune et le noir. Voilà. Et ça, c'est du neuf. Le packaging est un peu abîmé, mais c'est neuf. C'est la cote. Là, c'est pas donc ça fait 160 euros. Il est, et ça, c'est le prix. C'est le prix, oui. J'ai trouvé mon trésor. Regarde comme il est magnifique. J'ai trouvé quelque chose en boîte. Mais je crois que, vu qu'il y a marqué DX, bande presto, ça doit pas être la rareté absolue. Ni très vintage. Donc c'est du Lupin, 800 yens en boîte. Je trouve ça stylé. Edgar de la cambriole. Regarde, 800 yens, c'est-à-dire pour 5 euros. Julien, t'en penses quoi? Franchement, c'est bidon ça. Ça, c'est un jouet du faux catcheur en fait, que tu gagnais au pince et si t'étais fort, tu pouvais l'avoir pour 200 yens. J'ai trouvé un petit Soulbrain. Soulbrain, c'est Winspector 2. J'ai aussi un Senseiya Maléfique. Waouh! Un dead 9. Couleur chair. Couleur chair. Il est. Non, mais là. Il est parfaitement dégueulasse. Il a même un soutif. Il est dégueulasse. Il est parfaitement dégueulasse. Malin. J'adore. Donc, moi j'ai un loot incroyable. Je mise sur la quantité et sur la qualité. À la fois. Alors, déjà, il y a. Guitaro. Là j'ai un Toki. Ouais, ça c'est beau. Toki. Je suis un peu jaloux. 100 yens. Alors là, attention, 100 yens à Toki. Jagi. Le Jagi, je suis un peu jaloux. Godzilla quand même. Et Ultraman, j'en parle même pas. Oui, c'est vrai. Bon là j'ai un Sanji, une Sakura, Shanks le Roux. Je vais donner au renard Benzaï qui il est pas bête, tu comprends. Il sait que ça me plaît, oui, mais il est de 87, 9 à 500 yens. Si tu veux, il y en a un deuxième. Voilà. Par exemple. C'est ça qui le fait gagner. Moi, je mettrais 5 sur 10 parce que bon, je me sens chez moi ici. Quoi. Rien que dès que tu rentres, t'as l'odeur du vintage qui rentre dans tes narines. Il habite au-dessus, d'ailleurs. Un 9 sur 10 parce que la boutique est magnifique. Elle n'est pas dans les quartiers touristiques, donc quand tu viens ici, t'es à peu près sûr d'être seul. Si vous cherchez parmi les produits qui sont ici en termes de séries, notamment les robots, les c'est infini, c'est invincible, il n'y a rien à dire. Voilà. Quand même 10 sur 10. Hein. Et puis, donc, bon, j'ai trouvé Morox. Pour toi, c'est la meilleure boutique de jouets, plutôt à l'ancienne, hein. Bien sûr, ce n'est pas des jouets modernes. Pour ce qui est du vintage, c'est la meilleure. Et voilà. Ça ira. Tu retournes, mais derrière, il n'y a rien en fait. Tu veux voir du. Couleur carton de base, voilà, du blême. Toujours. Par exemple. Là déjà, là tout autour, il y a des petites caisses en dessous là qui sont rangées où tu peux tirer et piffer des trucs. Tu vois, regarde, t'as des trucs à 100 yens. Si tu voulais cette superbe camion de pompier. Tu vois, mais c'est pas vrai.